Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Shalom, enfants de Dieu. Je vous salue en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous réunit. Béni soit Dieu pour le don gratuit de la vie. Béni soit Dieu le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui constamment répand sur nous sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Béni sois-tu, l'Éternel des armées, qui veille sur son peuple constamment. Bien-aimé, nous bénissons le Dieu vivant qui nous a donné la grâce encore aujourd'hui de nous tenir debout pour pouvoir louer son Saint-Nom. En ce temps favorable, il nous appelle encore et encore à cette miséricorde. La parole de l'Évangile aujourd'hui nous déclare que le Père est miséricordieux. Et tel Père, tel Fils, dit-on. Si nous sommes les enfants du Père de Jésus-Christ, nous devons également être miséricordieux comme lui. Et c'est à cela qu'il nous appelle en ce matin. La parole déclare qu'en ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Alléluia, en ce matin, nous voulons demander au Père, au nom de son Fils Jésus, cette grâce d'être des miséricordieux comme lui. La parole nous dit que le disciple accompli est comme son maître. Notre maître est miséricordieux. Nous également, en ce matin, nous allons recevoir cette grâce d'être des hommes et des femmes miséricordieux, qui ne jugent pas, qui pardonnent, même si c'est pas facile. Même si cela n'est pas facile, parce qu'humainement parlant, cela même peut sembler impossible. Mais tout est possible avec la grâce du Saint-Esprit. Tout est possible avec la grâce du Saint-Esprit. Alors sois miséricorde comme ton Père bien-aimé de Dieu. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Père, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Personne n'est comme toi, personne. Tu es. Tu pardonnes les fautes de tes enfants. Tu es Dieu. Tu es miséricordieux. Père, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu ne condamnes pas tes enfants. Lent à la colère tu es. Tu ne retiens pas nos offenses. Tu es amour. Papa, tu es miséricordieux. Que le ciel m'aide à proclamer que mon Père est miséricordieux. Que le ciel et la terre témoignent même des paroles que je lève en ce matin. Mon Père qui est dans les lieux saints est miséricordieux. Il ne retient pas nos fautes, parce que s'il comptait nos fautes, nul d'entre nous ne subsisterait. Mais il est miséricordieux et il laisse sa miséricorde s'abattre sur son peuple. Il déclare dans le livre des Chroniques, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel je le guérirai, je lui pardonnerai ses fautes. » Alors bien-aimé, que personne ne te trompe, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il pardonne tout. Avance devant le trône de l'assurance. Avance devant le trône de grâce avec une grande assurance. Et sois sûr que le Seigneur va répandre sa miséricorde sur toi. Parce que miséricordieux il est. Tel nous le chantons. Tu es miséricordieux.
Tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux. Personne n'est comme toi, personne, tu nous pardonnes. Personne n'est comme toi, personne, tu ôtes nos péchés, nous le déclarons. Tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux. Tu pardonnes les fautes de tes enfants quand ils viennent à toi. Père, tu ne juges pas tes enfants parce que tu les aimes. Tu les appelles à être miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux. Tu nous appelles à être miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux. Tu ne juges pas ton peuple parce que tu es amour. Tu ne juges pas tes enfants parce que tu les aimes. Tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux. Personne n'est comme toi, papa. Bien-aimé, là où tu es, confesse que le Père est miséricordieux. Du fond de ton cœur, proclame que Dieu est miséricordieux. Mets-toi dans cette assurance, que ces paroles soient ancrées au fond de ton cœur, que le Père est miséricordieux, et décide de revenir à lui d'un cœur sincère. Tu verras qu'il ne retient pas ta faute. Il n'attend que ça, il ne souhaite que ça, que tu reviennes à lui d'un cœur sincère. Comme l'enfant prodigue, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et tu verras comment le Père va tuer le veau gras pour toi. Tu verras comment il va te mettre cette bague au doigt. Tu verras comment il va te revêtir de ce beau manteau. Tu verras comment il va te prendre dans ses bras. Il va tellement te serrer pour te dire, mon enfant, je t'aime. Je ne te condamne pas. Je t'aime, je ne te condamne pas. Je t'aime et je ne te condamne pas. Ce que je désire, c'est que tu sois comme moi, que tu m'imites, parce que moi je suis miséricordieux. Après t'avoir fait miséricorde, va et fais de même pour tes frères et sœurs. Sois miséricordieux. Et bien aimé, laisse-moi te rappeler que cela est possible que par la puissance de l'Esprit qui vit en toi. Alors demande toujours au Saint-Esprit de venir te donner le cœur du Père, de transformer ton cœur à l'instar du cœur du Père, afin que tu sois toi aussi miséricorde. Ainsi les gens qui te verront vivre sauront que tu es à l'image de ton Père. Et ils voudront même connaître ce Père par ton comportement et par la grâce qui est en toi. Demeure dans la miséricorde de Dieu et sois miséricordieux pour tes frères et sœurs. Passe une excellente journée, bien-aimé de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.